défi. Hein. Quand même, ils ont respecté le plan de match, le plan à la lettre. Hein. Parce que ce projet a été bien ficelé depuis hier. Et cet après-midi, on a revu ce qu'on devait revoir. Et je pense qu'ils ont respecté ça aujourd'hui, même s'il y a des bémols à corriger. Mais un match de basket, on peut avoir une défense parfaite. Il y aura des erreurs, mais il faut rectifier après. Quoi. Vraiment, je les félicite pour avoir mis le même nombre de points que pendant la préparation. Coaching, oui, bon, je pense que le coach à lui seul ne peut rien faire. Je pense qu'on est une équipe. On a des assistants qui font le boulot. On a les filles elles-mêmes. Ils font leur propre scouting. On voit les match-up. Chacune a ses qualités en défense comme en attaque. Et je pense que le projet, si je le mets en place, c'est ensemble qu'on le décide et qu'on l'accepte de le dérouler. Je pense qu'il n'y a aucun moment où l'Angola nous a dominé dans le jeu. Il y a eu cet écart qui s'agrandissait progressivement. Pas simplement par rapport à leurs attaques, on savait ce qu'il fallait faire et ils l'ont respecté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le respect des consignes qui a prévalu et je les félicite par rapport à ça. Voilà. C'est vrai qu'on a joué que deux systèmes depuis. Hein. Deux systèmes de jeu, une attaque longue et une attaque courte. Deux seulement. Les mêmes attaques, on les a essayées dans les cinq premières minutes. Mais on a compris qu'ils nous ont scouté. Ils nous ont empêchés de le dérouler correctement. Donc on a ajouté deux autres systèmes rapidement pour les mettre en difficulté. Quoi. Après, ils n'ont pas compris ce qu'on faisait. Je pense que c'est ce qu'on a fait et ça a marché. Voilà, donc je pense que les autres équipes nous ont scouté. Parce que nous, quand même, on a 11 systèmes. On n'a utilisé que 5 aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est ça le coaching. Il faut comprendre quelles équations on peut te poser et quelles solutions tu peux apporter. Voilà, et voilà. Ensuite, je crois la faiblesse peut-être des filles qui sont rentrées, le rythme était très élevé quand elles rentraient. Elles ne pouvaient pas tenir ça en dehors de Lena. Lena, elle avait une tâche défensive, extrêmement défensive, pas autre chose. Quoi. Et elle a accompli ça, elle a bien fait le travail. Mais je pense que le banc a apporté 42 points. La moitié des points, le banc l'a apporté. Donc il y a une égalité de jeu entre les titulaires et celles qui rentrent, les touches là. Elles ont fait le même travail. Quoi. Voilà. Mais les 3 minutes de frottement, c'est dû au rythme qui était très élevé et celles qui rentraient n'avaient pas pu suivre. Mais c'est progressivement qu'ils ont suivi. Quoi. Ouais. Alors, une équipe du Sénégal qui perd moins de 13 ballons, c'est mon rêve. Jusqu'à maintenant, on n'y arrive pas. 14 pertes de balles aujourd'hui. Ah, voilà, je pense que, bon, pour être sérieux, quoi, 16 pertes de balles, on a fait 15, on a fait 17. Mais je pense que le très haut niveau, c'est maximum 13 pertes de balles. Voilà, et aujourd'hui, nous, on a coupé 14 interceptions pour marquer 28 points avec ça. Quand tu fais ça, il n'y a pas d'équipe qui peut te battre. Voilà, c'est nous ce que nous recherchons. Et ça, l'opportunité-là, on ne peut pas le donner à l'adversaire. Et moi, avec elle, c'est la bagarre. Hein. Ce que vous voyez sur le terrain et ce qu'on voit à l'entraînement ou à l'hôtel, c'est totalement différent. C'est deux chairs à opposer. Ça, c'est la vérité, quoi. Voilà, c'est ce que je recherche, c'est ça. Le haut niveau, le secret, c'est bosser dur, empêcher l'autre de faire ce qu'il veut faire. Voilà. Je ne parle pas de Lala ou de Astou ou de Tosh. On est une équipe. On ne va pas rentrer dans ce débat individuel qui va donner de la grosse tête à certaines filles. Lala, nous tous, on sait très bien que c'est une excellente shooteuse. C'est une gâchette. Mais voilà, quand elle rentre dans le match, c'est fini. Hein. Elle n'est pas arrêtable. Donc le problème, c'est qu'on le met. Il faut qu'elle rentre dans le match. On est à 44% à 3 points aujourd'hui. Et elle a mis 3 sur 5, je pense. Et c'est son fort. C'est son fort. Voilà. Donc, on ne veut pas vraiment faire ça. Juste parler de l'équipe du Sénégal et éviter de parler des individualités. Quoi. Signé par carton. En suis satisfait parce qu'on a dépassé le standard requis. Après, en défense, ce n'était pas ça. Donc, voilà, ils ont mis 26 points. Ce n'était pas notre objectif. On a raté. On a essayé de rectifier au troisième quart-temps. Ça a marché. Mais au quatrième, je pense qu'on les a fait un 26 quelque chose là. Je ne sais plus. Hein? Je ne sais plus. 26-7 ou 7, 13. Voilà. Voilà. Donc, là aussi, on l'a raté. Bon, en défense. Mais je pense qu'il faut pas aussi. Comment on appelle se pomper, se la pomper un peu. Quoi. Voilà. Mais bon, ça. À Mozambique. On n'a rien à dire. C'est une excellente équipe, très bonne équipe. Une équipe qui arrive en demi-finale. Il faut la prendre au sérieux comme l'Angola. Je pense que c'est le même jeu. Le jeu lusophone, on le comprend. C'est pénétrer, sortir la balle, tirer à 3 points. Décalage. Je pense que
On a les vidéos, on va travailler toute la nuit et pour produire quelque chose aux filles et leur proposer un plan de match. Et voilà. Donc en ce moment-là, je pense que le match qu'il a, il est passé derrière nous. C'est le match demain qui est le plus important pour cet Afro-Basket. On commence depuis. C'est un processus qui continue. On fait des réajustements tous les jours et on ne rencontre jamais la même équipe. Voilà, donc ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne se passera pas demain. Ce n'est pas les mêmes joueuses, ce n'est pas les mêmes entraîneurs, ce n'est pas la même préparation. Donc nous aussi, il faut qu'on change de paradigme et comprendre que si on met en place un bon projet pour demain, il faut qu'on arrive tout de suite la nuit à cogiter quoi, par rapport à la récupération, à la bouffe, à la sérénité des filles, qu'il n'y ait pas de perturbation, que demain matin, qu'on arrive à l'entraînement, qu'on fasse le job correctement, qu'on vienne à l'heure. On est en retard d'une minute aujourd'hui. Il y en a qui sont venus en retard d'une minute pour faire les vidéos et comprendre ce qu'on a fait. Vous voyez? Donc, je pense que les choses sérieuses ont commencé depuis longtemps. La difficulté, c'est de maintenir cette cadence-là jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Merci beaucoup.